chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tumban, bang, que tumban, que tepe, tepe. Merci de votre accueil. Bienvenue au studio Gabriel. Vous qui venez pratiquement tous de province, c'est bien, car je viens de là aussi. Alors, un programme très éclectique avec un invité d'honneur. C'est le premier invité du premier Vivement Dimanche de décembre. Voilà, c'est quelqu'un qui, en quelques années, est devenu quelqu'un d'important, et pas seulement en France, car il fait une carrière à l'étranger. C'est un ténor très séduisant, mais qui chante pas seulement l'opéra, qui a chanté avec beaucoup d'artistes de variété, vous allez voir tout à l'heure. On va lui consacrer tout le Vivement Dimanche. Merci Vincent Diclos. Bonjour Vincent, merci d'être là. Bonjour Michel. À l'occasion de cet album de duo ténor. Ténor, ça veut dire que vous revenez finalement à votre ADN. L'ADN, c'est quand même l'opéra. Oui, c'est vrai, c'est ma formation. Je suis un autodidacte, mais j'ai toujours tendu à faire vraiment du chant classique, lyrique. Et j'aime bien aussi mélanger un peu les styles. Et oui, je reviens à ma voix de ténor parce que c'est les deux derniers albums, m'étais un petit peu éloigné. Et c'est vrai que les gens qui m'apprécient m'avaient dit « Mais on aime ta voix de ténor aussi. » Alors voilà, c'est un petit peu le cadeau que je leur fais. En écoutant, bien, on retrouve Rigoletto, Verdi, Tchaïkovski, Ravel, Puccini, Handel, Chopin. Mais également des duos surprenants avec Sarah Brightman, qu'on connaît moins bien en France, mais qui est une star mondiale. Vous êtes en tournée avec elle depuis très très longtemps. Avec elle me laisse cette grande chance de faire trois duos avec elle, plus le single Ameno qui m'a révélé au grand public il y a déjà 7 ans. Très bien. Il s'en est passé des choses en 8 ans à peu près, vous avez une carrière qui a même pas 10 ans. C'est allé vite. Non, hein, ça fait 7 ans. Je me souviens, c'était en 2012 quand j'ai sorti Opéra Rouge avec Ameno et les chœurs de l'Armée Rouge. Oui, on va le revoir ça tout à l'heure car vous avez chanté ici. Et puis, dernières années, quand même, il faut rappeler, vous avez multiplié les collaborations. Vous avez chanté en première partie de Céline Dion, c'était à Bercy. Ouais. Et puis, les comédies musicales, hein, quand même. Autant d'Emporte le Vent, La Belle et la Bête, Les Parapluies de Cherbourg, c'est vraiment un répertoire extrêmement large. C'est tout ce que vous avez aimé quand vous étiez gamin. Exactement. Exactement. C'est ça, c'est que la vie est magique parfois, parce que quand j'étais petit, je rêvais de faire de la comédie musicale, j'en ai fait. J'ai eu la chance de faire des premiers rôles dans des spectacles incroyables. Je rêvais de faire des disques, j'en ai fait. Je rêvais de faire de la scène, j'en ai fait. Je rêvais de voyager dans le monde entier et chanter, c'est ce que je fais en ce moment. Enfin, la vie parfois est clémente, ouais. Avec une parenthèse anglaise importante. Vous avez eu votre émission, hein, ah oui, oui, à la radio anglaise. En plus de ça, ça a dépassé mes... Enfin, de toute façon, tout ce que je fais en ce moment, c'est du bonus. Parce que je m'étais fixé un objectif et je suis bien au-delà, quoi. Mais oui, j'ai eu la chance de... J'ai une émission à la BBC 2 Radio. Donc, je crois que je suis un des seuls Français à avoir eu ça. Avec... Avant, il y a eu Sacha Distel. Dans une autre, ouais, c'est dans une autre vie qui était le français le plus aimé des Anglaises. C'est ça, et ça m'a permis, c'est une émission, donc je donne carte blanche, ça s'appelle Carte Blanche, et je donne carte blanche à des Français qui sont connus outre-Manche. Et j'ai eu la chance d'interviewer Brigitte Bardot, Jean-Paul Gaultier, Michel Legrand, enfin, c'est une grande opportunité pour moi, cette émission, ouais. Alors, comme on ne s'est pas vu depuis longtemps sur Canapé Rouge, il y a quelques changements depuis la rentrée. Nous avons quelqu'un qui dessine magnifiquement bien, oui, qui est là, Emmanuel Chenu. Oh. Il a commencé. Oh, ça va. Et il viendra tout à l'heure, Emmanuel Chenu, comme chaque dimanche, à la fin de l'émission, il refera l'émission à sa manière. Alors, c'est vrai qu'en travaillant sur cette émission avec Rick Barbette, moi qui avais l'impression de tout connaître de vous, vous avez remarqué que je vous vois. Oui, là, je suis. Je me dis, ouais, je suis vraiment dans le canapé rouge.
Non, quand on vient comme ça faire un passage comme depuis longtemps, à la limite, le tutoiement, mais quand on est arrivé à un stade, c'est le vouvoiement. C'est ce que je voulais vous dire, Michel. C'est-à-dire que moi, c'est incroyable d'être dans cette position aujourd'hui parce que j'ai toujours regardé vos émissions et jamais j'aurais cru qu'un jour je serais à cette place. Déjà, en être invité, y chanter, juste passer pour chanter, c'était déjà génial. Mais être l'invité fil rouge, c'est... Donc, merci énormément pour ce beau cadeau. Françoise, Eric, vous me faites un très beau cadeau. Alors, Vincent, quand on est l'invité d'honneur de Vivement Dimanche, on a droit à un petit rappel. Je savais que vous étiez fou de chansons quand vous étiez adolescent, mais j'avais oublié que votre papa était chanteur. Il chantait dans les bals populaires. C'est lui qui vous a appris le solfège. Qu'est-ce qu'il chantait, votre père? Le voilà, là. Ah, papou! Qu'est-ce qu'il chantait, papou? Il nous regarde, là, en ce moment, donc il doit être très ému comme moi. Ça va être compliqué. Oui, il chante un répertoire très éclectique, en fait. Beaucoup de chansons populaires françaises. Mais il m'a aussi fait aimer Mariano. Il m'a fait aimer Elvis. C'est quelqu'un aimable. Comme moi. Il pour Aimable, grand accordéoniste. Oui. Il a beaucoup, beaucoup travaillé avec Aimable. Il est batteur, saxophoniste, chanteur. Enfin voilà, il m'a appris le solfège. C'est la même chose pour Serge Lama, son papa était chanteur. Mais oui. Finalement, vous avez réussi votre rêve, qui était aussi le rêve de votre père. C'est ça. Et c'est vrai qu'à travers moi, il vit aussi des choses incroyables. Du coup, on peut vraiment discuter ensemble de... il sait ce que c'est la musique, il sait ce que c'est chanter, il sait ce que c'est faire des spectacles. Donc vraiment, je le remercie. Et c'est vrai qu'à 5 ans, je faisais les duos avec lui déjà. Il m'a appris le solfège. Mais il ne savait pas que j'allais me diriger vers le chant classique. Et là, ce qui est très drôle, c'est que je revenais de temps en temps pour les vacances le voir. Et un jour, je lui ai dit « Papa, il faut que je répète un truc ». Donc je suis allé dans la chambre. Et là, il est rentré. Et il m'a dit « Mais c'est toi qui chantes, là ?» Il n'avait jamais entendu ma voix lyrique, en fait, ma voix classique. Et il s'est dit, ah oui, d'accord, ok. Alors, le lyrique, c'était aussi un art qu'on adorait dans la famille. Est-ce que votre maman était fan d'opéra? Oui. Les grands-parents musiciens, la grand-mère chantait également des grands airs d'opéra. Oui. C'est dans vos gènes, ça, hein? Oui, je crois qu'on est une famille de saltimbanques, en fait. Mon grand-père maternel, il a chanté, il a accompagné Piaf. Ma grand-mère chantait de l'opéra, maternelle aussi. Ma mère, enceinte de moi, a écouté de l'opéra. C'est peut-être ça qui... Ah, c'est voilà. Ça. Parce qu'au départ, quand on... Le fœtus commençait à swinguer. Déjà en santé. Le fœtus, il vibrait comme ça. Et non, mais c'est vrai qu'au départ, tout le monde a été très étonné que je prenne cette direction. Parce que... normalement, quand on a 20 ans, on ne va pas chanter trop du classique, surtout quand on vient de la pop. Et je pense que ça s'explique comme ça. Alors, à 18 ans, chanson d'Aznavour, prenez des cours de chant. Oui. À 18 ans, j'ai quitté ma province pour me lancer à l'Assaut de Paris. Et pour financer vos cours, vous étiez mannequin. Oui, tu vois, et un jour, j'étais... Cette époque-là? Oui, c'est ça. Ouais. J'étais... Wow. Il y a un frisson dans la salle. En fait, j'étais à la plage, un jour, je vous raconte juste, c'était j'étais à la plage. C'était à Saint-Tropez? Oui, à Saint-Tropez, j'étais à la plage et il y a quelqu'un d'une agence, qui a ce qu'on appelle un talent scout, qui m'a donné sa carte, voilà. Et moi, en fait, je ne cherchais pas du tout à être mannequin, mais je cherchais juste à gagner de l'argent très vite pour payer mes courses. Et c'est vrai, quand on avait le physique qui convenait, on gagnait bien sa vie comme mannequin. Et oui, donc je ne travaillais pas beaucoup, enfin, les castings, c'est très très long à faire, mais... Pour 2-3 heures, je gagnais pas mal d'argent. Je payais mes cours avec ça. Et c'est comme ça que je me suis construit, en fait. Et puis, moi, je vous ai vu la première fois au Palais des Congrès. Red Butler, Autant d'apporte le vent. Ça, c'est une grande aventure. Oui, ça, c'est pareil. C'est la première fois que j'avais fait le rôle de Roméo. J'avais remplacé Damien Sargue. Ouais. Ça avait commencé comme ça. Et ça, c'était vraiment le premier spectacle très médiatisé pour moi. C'était la première fois que c'était avec une chaîne de télé, que j'étais vraiment mis dans la lumière. Comédie musicale mythique quand même. Oui. Il y a eu les parapluies sur vous. Ah, les parapluies de Cherbourg. C'est à l'époque, je crois, que vous avez rencontré un producteur qui a beaucoup compté dans votre vie et qui continue, qui est un peu un de vos pères également dans le métier, c'est Franck Seurat. Bien sûr. Quand c'est un producteur de télévision. Oui. Je présente régulièrement des émissions avec lui. Il a joué un rôle très important. Ah bah, plus qu'important, c'est décisionnaire même. C'est, j'en serais pas là aujourd'hui sans lui, donc je voulais le remercier. Infiniment. Alors, l'Opéra Rouge, l'album 2012, et c'est à cette époque où Françoise Coquet, moi je ne vous connais pas du tout, Françoise Coquet me dit, il y a un garçon qui a une voix et qui a enregistré avec les chœurs de l'Armée Rouge. Voilà, ça a donné ça. Dorime, interimo ad appare, dorime, ameno, ameno,
cantiremo Dorime. C'était Vincent Niclot sur ce plateau il y a 7-8 ans. Ameno du groupe Hera, extrait de l'album Vincent Niclot Opéra Rouge. C'était une trouvaille, ça, de chanter avec les chœurs de l'armée. Ah, c'était peut-être là une des meilleures idées qu'on ait eues. En fait, j'avais envie de faire un album autour du chant classique, de l'opéra. Et j'étais toujours amoureux des voix. Je me suis dit pourquoi pas aller chercher le meilleur chœur au monde. Et ils ont eu la folie d'accepter. On était, faut remettre, c'est en 2012, on a sorti l'album dans un contexte, tout le monde disait, mais c'est des dingues, c'est un ovni. Contre-courant, total. Et on pensait pas du tout faire ce succès, on était plus de 350 000 copies, ce qui aujourd'hui est incroyable, quoi, vraiment. Vous chantez ça sur scène? Oui, bien sûr, c'est ma chanson fétiche, je la chanterai toujours, pour moi c'est le début d'une nouvelle vie. Alors, dans cet album, il y a Laetitia Milo. Oui. Ça, c'est une surprise. Oui, c'est dans cet album Ténor, j'ai fait appel, j'ai jamais eu autant de guests. Oui. Alors évidemment, il y a la caution suprême, il y a Placido Domingo, Sarah Brightman, qui sont deux grandes stars du milieu de l'opéra. Mais j'avais aussi... Il y a les petits chanteurs à la Croix de Bois. Il y a les petits chanteurs à la Croix de Bois, il y a les sœurs Berthollet qui ont gagné Prodige. Nana Mouskouri. Il y a Nana Mouskouri. Et puis j'avais envie d'une voix... qui soit une voix, plus une voix avec de l'émotion, avec un craquage légèrement dans la voix. Pas une voix parfaite, mais une voix qui soit chargée d'émotion et qui puisse nous raconter une histoire. J'avais vu Laetitia à la télé et comme tous les Français, j'avais été séduit. Je trouve qu'elle a quelque chose de vrai. Lumineux, hein. Qui transpire. Oui, elle a quelque chose qui passe à travers l'écran parce qu'elle est sincère. Et j'avais besoin, moi, cette sincérité. Et j'avais entendu dire qu'elle voulait chanter. Et donc, j'ai dit, pourquoi pas lui faire la proposition. Et elle a accepté. Alors, depuis Mélanie, dans Plus belle la vie, il y a eu La vengeance aux yeux clairs sur TF1. Maintenant, c'est devenu Quelqu'un qui compte.
C'est une actrice reconnue, très demandée. Oui. Et la voici maintenant dans un nouveau rôle, celle de chanteuse. Elle est là, Laetitia. Bienvenue. Bonjour Laetitia. Bonjour Michel. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Ah ben ça c'est un plaisir de venir. C'est une surprise, hein. Vous avez eu peur? Bon, comme toujours. Alors la chanson, ça faisait partie de votre adolescence, comme la danse d'ailleurs. La danse fait partie effectivement de mon adolescence danse. Parce que j'ai fait beaucoup de danse, notamment de la danse classique. Et après, d'ailleurs, j'ai fait danser avec les stars aussi, comme Vincent. Vous aussi, c'est vrai. Vous avez terminé troisième. Elle a été meilleure que moi. Elle a terminé troisième de danser avec les stars et vous, septième. Cinquième. Oui, bon, on est pas là pour de la compétition. Et quand même, pas mal. Bah, pas mal, dans la photo, quoi. Oui. Une photo, ça bouge pas. Vous avez été étonnée qu'ils vous appellent hein. Vous avez été étonnée qu'ils vous... Très étonnée. Et puis, alors, pour la petite anecdote, mon agent me dit, on va rencontrer Vincent parce qu'il est intéressé de t'entendre pour un duo, un éventuel duo. Alors je dis, il se trompe pas de personne, c'est sûr, c'est Laetitia Milo qui recherche. Et donc bon là après évidemment après j'apprends qu'il recherche plus pas une grande voix, mais il recherche une actrice avec de l'émotion, de la fragilité. Et c'est vrai que c'est ce que tu as livré d'ailleurs. Oui. Je me suis pas trompée. Et je me suis sentie très petite ce jour-là parce que pour la petite anecdote, je ne savais pas que j'allais chanter ce jour-là. Et puis finalement, Vincent, il me met derrière un micro. Et là, je peux vous assurer que c'est hyper intimidant. J'imagine. Et vous vous sentez... Alors, on va vous le voir dans le clip dans un instant. Vous avez choisi une chanson que les Français connaissent bien. Une chanson italienne qui avait été popularisée par Dalida. Oui. Fini la comédie dans les années 80. C'était déjà une reprise de Dalida, d'ailleurs. Et là, vous avez choisi ce titre. Oui, et bien avec elle. Et comme je vous disais, Michel, on a tous apprécié, vous savez, quand il y a eu des duos, des fois avec des actrices, chanteurs, acteurs. Moi, j'ai toujours adoré ça, de mélanger les voix. Et surtout, je trouve qu'elle a un grain qui est très particulier, qui a amené énormément au titre. Et c'est ça, que c'était ça le but de l'opération. Aussi pour montrer que dans Ténor, évidemment, il y a les voix classiques, le registre parfait. Voilà. Mais il y a aussi, on peut s'amuser aussi avec l'opéra. C'est pas si guindé que ça. C'est ce que j'avais envie de montrer aussi. Mais outre cette expérience formidable quand même qu'on a vécue et que tu m'as fait vivre, c'est vrai que je suis partie aussi dans cette aventure pour Endofrance, pour l'association bien sûr. Qui défend l'endométriose. Et donc du coup... Voilà. Que tu incarnes à merveille. Voilà. Vous dire qu'une partie des bénéfices ira à l'association Endofrance qui soutient le combat Laetitia contre l'endométriose. On peut dire un petit mot de cette maladie qui n'est encore pas très connue? Mais justement, elle est encore effectivement mal connue. C'est pour ça que c'est important d'en parler et de revenir dessus à chaque fois. C'est une maladie gynécologique chronique qui peut parfois faire souffrir énormément, rendre invalidante certaines femmes. Qui impacte parfois sur la fertilité et qui atteint une femme sur 10. C'est sous forme de récidive. On n'en guérit malheureusement pas. La grossesse ne guérit pas non plus. Parce que c'est vrai que certains médecins ont tendance à avancer ça. Et par preuve, je suis toi, tu es l'exemple. Oui. C'est vrai que malheureusement, on n'en guérit pas. L'endométriose revient en force après. Et voilà, c'est important de dire qu'à chaque fois que vous écoutez ce titre, vous faites un don pour Endofrance. Très bien. Alors, la version de Dalida. C'est la choisir, non ? Ouais, bien sûr. La chanson de Dalida, c'est fini la comédie, est devenue Loin d'ici. Écoutez bien, vous connaissez cette chanson. Mi chiedono se mangi
voilà, après, quand on a entendu le titre, on ne se pose plus de questions. On se dit que c'était magnifique. Chanson, bah maintenant la prochaine étape, c'est un jour la chanter sur scène. Non. Non. Si. Bah, on va attendre un peu. Alors maintenant. Je suis actrice. Sur scène, vous chantez Le Fantôme de l'Opéra, qui est une des plus grandes comédies musicales de l'histoire. Et Franck Ferrand, notre historien, est là. Et justement, on lui a demandé de nous expliquer un petit peu ce qui se cache derrière ce fantôme de l'opéra. Oui, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas bien ici en France le fantôme de l'opéra, l'histoire. On ne sait pas que ça a un rapport avec l'opéra Garnier, par exemple. Ouais, voilà. Donc il va nous expliquer tout ça et c'est important de préciser aujourd'hui. Alors, Franck Ferrand va arriver. Et tendez bien l'oreille, ça va vous rappeler quelque chose. C'est le début avec l'histoire. Bah oui. Franck Ferrand. C'est le début, ça. C'est ça. Racontez-moi l'histoire de ce fantôme d'opéra. Bah alors déjà, c'est un roman qui est au cœur même de la Belle Époque. C'est la Belle Époque. C'est tous les fantasmes de cette période. On est en 1909, à la rentrée 1909, quand paraît au c'est départ... C'est Gaston Leroux, ça, le fantôme. Oui, c'est Gaston Leroux, effectivement, qui s'est fait connaître l'année précédente avec Rouletabille dans Le Mystère de la Chambre Jaune. Plus tard, il y aura Le Parfum de la Dame en Noir. Et ce Gaston Leroux invente des romans qui sont à la fois des romans d'énigmes avec une dimension policière et puis des romans fantastiques. Et là, Le Fantôme de l'Opéra, c'est le roman fantastique par essence, autour d'un lieu, bien entendu, qui fait rêver toute l'époque, parce que c'est le lieu emblématique de cette belle époque, c'est l'opéra, ce qu'on appelle, nous, le Palais Garnier, depuis que c'est de... Ça, c'est des années 1900. Ah ben là, la photo, elle est de cette époque, précisément. Regardez encore tous ces fiacres, il n'y a même pas encore d'automobile, là. Ce Palais Garnier, il faisait rêver non seulement la France entière, mais le monde entier à l'époque. Et donc... Le fantôme de l'opéra, ça va être le roman du Palais Garnier, effectivement. C'est conçu pour donner des frissons. Ah oui, ça doit faire peur. Ça doit, vous savez, c'est des romans qu'on vendait à 6 sous pour les femmes de chambre qui lisaient ça dans leur soupente. Hein. C'était ça l'idée au départ, même si en fait ça a eu un lectorat immense, le fantôme de l'opéra. L'idée, c'est un personnage mystérieux qui fait peur, qu'on a entreaperçu, qui est... On ne sait même pas si c'est une créature humaine. Il s'appelle Éric le fantôme. Éric le fantôme, qui va multiplier les actes de malveillance dans le Palais Garnier. Or, au même moment, il y a une toute jeune chanteuse, elle est orpheline, alors évidemment, on fait... Christine. C'est Christine. Et cette Christine, elle a, pendant la nuit, elle entend des voix, elle entend ce fantôme qui l'appelle. Alors, elle en parle, elle s'ouvre de cette affaire à Raoul de Charny, qui est un jeune homme qui est très amoureux d'elle en secret. Ils vont tous les deux mener l'enquête. Ils finissent par comprendre qui est ce fantôme de l'opéra. Alors tout ça, il y a des chapitres et des chapitres. Hein. Ils finissent par comprendre qu'en fait, c'est un ancien prestidigitateur qui habite dans les sous-sols de l'opéra. Un labyrinthe. Une caverne, oui. Il y a même un lac souterrain qui est alimenté par une rivière souterraine, la Grange Batelière. Bon, le fantôme en question finira par kidnapper Christine. Ça finit bien parce ça que... Ça finit bien. Oui, il finit par s'incliner devant l'amour des deux jeunes gens, en fait. Alors, on est à la belle époque. Alors, qu'est-ce qu'il y a de vrai dans tout ça? Ben, ce qu'il y a de vrai, c'est le Palais Garnier, d'abord. Le lieu. Il y a quand même toute l'histoire. C'est-à-dire que toute l'histoire d'amour, elle est largement inspirée de la chronique de l'ancien opéra, l'opéra de la rue Pelletier. Il y a le grand incendie qui, lui, directement fait référence au bazar de la Charité. Cet incendie terrible qui avait eu lieu en mai 1897, vous savez, l'incendie du bazar de la Charité. Et puis, au-delà de tous ces petits détails d'intrigue, il y a le protagoniste. Et le protagoniste, c'est le Palais Garnier. C'est cette espèce de temple de l'art lyrique voulu par Charles Garnier, qui en fera d'autres, des lieux de ce genre, dont l'opéra de Monte-Carlo, d'ailleurs. Ah oui. Mais il faut reconnaître que celui de Paris est incroyable. Et puis, on se pose la question du lac souterrain, bien sûr. C'est-à-dire que cette espèce... Il est inspiré, celui-là. Voilà le fantôme de l'opéra. C'est une glotte, mais à l'envers. C'est une glotte à l'envers. Oui, la luette à l'envers. Le mystère au cœur de cette affaire, c'est l'histoire du lac souterrain, quand même. Or, ça n'est pas né de rien, ça. Cette rumeur selon laquelle il y aurait un lac sous l'opéra, elle tient au fait qu'au moment où Garnier, dans les années 1860, commence à construire les fondations de l'opéra, il se rend compte qu'on est dans un quartier marécageux, qui a constamment des résurgences, il y a de l'eau partout, et plutôt que... Puisqu'il n'y a pas moyen d'assécher ce sol définitivement, il va créer une réserve d'eau
et toute l'eau, toute l'humidité qui sort va se retrouver dans cette réserve, ce qui par ailleurs permet de stabiliser l'architecture et puis, au pire, s'il devait y avoir un incendie, fait une réserve pour les pompiers. Donc ce n'est pas une légende de dire que c'est construit sur alors, un étang. Disons qu'il y a un plan d'eau, quoi. Il y a un plan d'eau artificiel qui a été voulu. Il n'est pas alimenté du tout par la grande batelière. Il existe toujours ? Il existe toujours actuellement. Oui. Les sapeurs-pompiers embarquent, l'inspectent tous les jours. Vous savez que c'est un lieu qui est une sorte de lieu magique pour les sapeurs-pompiers parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que l'un d'entre eux, les sapeurs-pompiers de Paris, à chaque fois que l'un d'entre eux périt dans une opération quelconque, ils viennent lâcher un poisson dans le lac souterrain du Palais Garnier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez là-dedans des carpes, des anguilles, des barbeaux, de toutes sortes de poissons. C'est une eau très pure, d'ailleurs, dit-on. Ah ouais. Ça n'est pas alimenté par la Grange Batelière. Cette rivière souterraine, elle existe, la Grange Batelière, mais elle passe un petit peu plus loin. C'est simplement alimenté naturellement par les résurgences qui sont sous l'opéra. Les gens diront peut-être qu'il y a des pêcheurs qui passent leur dimanche. C'est tu vas, je vais pêcher à l'opéra. Merci, c'était Franck Ferrand. Merci à vous. Merci pour ce récit. Vous savez maintenant, quand vous direz, écoutez Vincent Niclot chanter Le fantôme de l'opéra, vous penserez à ce que vient de nous raconter Franck. J'ai des livres pour vous. Frédéric Mitterrand, qui va venir au début de l'année nous en parler. Napoléon III et Victor Hugo, le duel. C'est un livre formidable. Alors, vous ne savez pas, moi, que Hugo et Napoléon s'étaient détestés, une haine en politique, mais une fascination réciproque. Ils se sont d'abord beaucoup aimés, ils se sont fascinés mutuellement, et ensuite, il y a cette espèce de rupture violente au moment du coup d'État de 1851. Victor Hugo va s'en aller, non pas sur son île, mais sur ses îles, hein, à Jersey, à Guernesey. Et Napoléon III passe son temps à essayer de le faire revenir à Paris, mais il ne veut pas, le père Hugo, parce qu'il est orgueilleux, parce qu'il s'est drapé dans son espèce de figure de très, très hautaine, d'où il regarde le régime en train peu à peu de s'effondrer. Vous savez que Victor Hugo reviendra à Paris, mais seulement après la chute du Second Empire. Mmh. Et là, ce que raconte Frédéric Mitterrand, c'est le rapport d'admiration-haine entre ces deux personnages. C'est un très beau sujet qui est magnifiquement traité, parce qu'en plus, il a lui ce style, il a cette capacité de nous en marquer dans ses histoires. Je l'ai. Et on en reparlera au début de l'année. C'est un cadeau pour Laetitia. Paris Match a 70 ans. Un des magazines français les plus connus dans le monde, c'est chez Michel Lafon. Hein. C'est une institution, vous imaginez, 70 ans. Et alors, il y a eu à peu près 3600 numéros. Le poids des mots, le choc des photos, c'est son patron, le brillant patron, Olivier Royan, qui fait la préface. Et c'est un livre magnifique, c'est pour Mademoiselle Milo. Merci. Et alors là, ça c'est extraordinaire. Richard Melloul, qui est un grand photographe, il a beaucoup travaillé pour Match lui aussi. Regardez, les arbres, témoins de l'histoire, toujours chez Michel Lafon. Wow, c'est un beau sujet. Alors, il a délaissé, Richard, les portraits de stars pour s'adresser justement aux arbres célèbres. Les arbres qui ont été témoins d'événements historiques, qui sont toujours debout aujourd'hui, au XXIe siècle. Les oliviers du Christ à Jérusalem. Albert Camus s'est tué en voiture, l'arbre préféré de Marie-Antoinette à Versailles, le marronnier qu'Anne-Franck apercevait dans sa cachette à Amsterdam, ça c'est magnifique, c'est encore pour Vincent. Voilà, c'est Noël, c'est vraiment Noël. Alors Vincent, Nana Mouskouri. Oui. Alors Nana Mouskouri, c'est un mythe, c'est une légende. C'est une légende, c'est une icône. Dans le monde entier. Dans le monde entier, c'est une carrière incroyable. Mondiale. Je crois qu'il n'y en aura plus des carrières comme ça. Il faut savoir qu'elle fait partie des trois plus grandes vendeuses de disques au monde. Et la petite anecdote, c'est que je l'ai rencontrée pour une émission de télé pour les 90 ans de Lynn Renault. Oui. J'ai fait un duo avec elle et j'ai complètement craqué. J'ai trouvé fascinante et elle m'a dit... vous connaissez sa petite voix. Vincent, quand est-ce qu'on fait un duo? Vous l'imitez très bien. Ah, c'est bien. Ah, oui. Mais je vais m'arrêter là. Non, mais Nana, elle est comme ça. Elle a ce pète de... Elle est fascinante. C'est formidable, c'est qu'elle a la timidité, oui. Le recul de quelqu'un de peu connu, alors que c'est une star mondiale. Elle est d'une humilité incroyable. Oui, on dirait que ce soir-là, alors qu'elle avait dû faire 40 700 télés dans sa vie, non. Elle était paniquée. C'est moi qui lui tenais la main, mais Nana, ça va aller, ça va aller. Je chante avec toi l'hymne Liberté, adapté de Nabucco de Verdi. Oui. C'était un grand moment de faire un énorme cadeau, parce que c'est la première fois qu'elle partage son tube mondial, le Nabucco. Ouais, je chante avec toi Liberté, et on a fait une version donc, avec ma voix lyrique. Voilà. Regardez. Quand tu chantes, je chante avec toi liberté. Et quand tu es absente, j'espère.
Salut Nana. Des gros bisous, des gros bisous à Nana. Il nous regarde comme chaque dimanche. C'est très beau. Alors maintenant, j'accueille quelqu'un qui est une voix très impressionnante, c'est Nathalie Dessay. C'est une grande, grande voix. Des plus belles voix au monde. Hein. Oui, elle a chanté Michel Legrand, elle chante maintenant Nougaro. On va l'accueillir, elle est Nathalie Dessay. Avec grand plaisir. Nathalie, merci d'être là, Nathalie. Merci, merci, merci. La première question que je voudrais vous poser avant qu'on parle de votre actualité, c'est Nougaro, sur l'écran noir de Minuit Blanche. Vous rendez hommage à Nougaro sur un album très beau. Comment on négocie le virage lorsqu'on a été une des plus grandes chanteuses lyriques du monde, c'était en 2013, et qu'on décide de s'arrêter pour commencer presque une autre carrière? Quelle est la difficulté du registre? Ça veut dire qu'il y a une voix qu'on a eu pendant des années, qui s'est tue pour une autre voix. C'est un peu oui, ça. C'est un peu ça, c'est-à-dire que j'ai tout recommencé. C'est-à-dire que je prends aujourd'hui des cours de chant pour chanter de la comédie musicale, de la chanson. Il faut en fait désapprendre pour réapprendre, parce que ce n'est pas du tout la même technique. Il s'agit par exemple de fermer la gorge, de porter la voix de poitrine plus haut, de chanter plus grave. Donc tout ça, il faut l'apprendre. C'est pas du tout donné, surtout quand, comme moi, on a 30 ans d'un certain geste, en fait. D'autres, il ne faut plus faire ce geste et l'oublier. Alors après Michel Legrand, Nougaro. Nougaro, c'est... Nougaro, je l'ai connu. J'ai connu Claude sur la fin de sa vie. J'ai participé à son dernier album qui est sorti après sa mort. Et c'est Yvan Cassard qui m'avait déjà écrit une très jolie vocalise que j'avais chantée sur « Autour de minuit ». Et c'est un de mes chanteurs préférés, c'est un immense poète. C'est son anniversaire cette année, parce que c'est le 90e anniversaire de sa naissance, oui. Le 15e de sa disparition. Donc je trouvais normal de rendre hommage à ce chanteur extraordinaire, dont on ne se rend pas toujours compte à quel point les textes et l'adéquation texte-musique est absolument géniale. On va vous retrouver justement pendant l'enregistrement, avec Yvan Cassard qu'on va entendre. Vous allez voir, ça va nous rappeler de grands souvenirs. La chanson sur Toulouse reste une des plus belles chansons françaises, mais il n'y a pas que ça. Il y a 14 chansons. Il y a à la fois des tubes et à la fois des chansons moins connues qui me tenaient particulièrement à cœur, comme Regarde-moi ou Accroche-toi vers mon cœur. Et je voulais aussi qu'il y ait des chansons qu'il avait faites avec Michel Legrand, parce que c'est une filiation aussi. Ils ont beaucoup travaillé ensemble et ils ont fait des chefs-d'œuvre aussi tous les deux. Alors, on va voir ce petit reportage qui a été monté par Isabelle Berneron, que je vais faire rougir. Elle est en régie. C'est notre monteuse. Monteuse hors pair. Regardez. Danser sur moi qui tourne comme un astre. Étreignez-vous pour que vos cœurs s'encastrent. Tel un tapis volant, je me tapis sous vos pieds. C'est pour vous tous que sur mes doigts la nuit je compte mes pieds. Dansez sur moi. C'était beau, une fois de plus, on est toujours mieux à deux que tout seul. Dans l'échange, elle m'a fait découvrir plein de raretés et des choses vraiment, je n'imaginais pas, donc c'était vraiment intéressant. Moi, j'avais toutes mes envies sur plein de chansons.
Après, il fallait évidemment que ça soit intéressant pour une femme, voilà, parce que tous les textes de Claude ne sont pas facilement transposables. Et donc, c'était un équilibre entre tout ce qu'elle avait envie de chanter, toutes ces choses qu'elle connaissait, ou que moi je ne connaissais pas, et aussi les envies des grandes chansons, où moi j'avais envie de l'entendre, juste par gourmandise, j'avais envie de l'entendre dans ces chansons que j'aime tant, en disant, mais non, tu vas être formidable. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Ils peuvent tous partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Nathalie Dessé-Nougaro. C'est formidable. Il y a un spectacle, je vais en parler maintenant, qui a lieu bientôt sur Nougaro. C'est au théâtre de la Michaudière, écrit et mis en lecture par Catherine Morisson. Vous avez entendu parler de ce spectacle. Oui, oui, oui. Un soir à la Michaudière, Patrick Reynal qui rencontre Nougaro pour une traversée entre texte et chanson. Si vous aimez Nougaro, c'est le lundi 16 décembre. Michel, pour Nathalie, je voulais raconter la petite anecdote quand même, parce qu'il faut juste replacer que c'est une des plus grandes voix au monde qu'on ait eue en France. Je en profite pour lui redire, je lui ai déjà dit. On a eu la chance. Mais il est mignon. Non, non, c'est vrai. Et en plus, c'est quelqu'un d'adorable. C'est-à-dire que vous avez des fois des grandes divas comme ça, machin, mais qui ne sont pas très sympas dans la vie, il faut le dire. Et il faut le dire. Il y a aussi beaucoup de divas. De moins en moins. Il y a aussi beaucoup de divas qui ne savent pas chanter. Super sympa. Oui, c'est vrai. Mais elle, c'est super bien chanté. C'est une personne incroyable. Et pour vous raconter, en fait, quand on m'appelle pour faire donc les parapluies avec Nathalie, donc c'est Michel Legrand, c'est au théâtre du Châtelet, il y a le directeur du Châtelet, on arrive pour la première lecture. Et comme vous savez, la réputation de Michel Legrand était quelqu'un de très exigeant, de parfois très dur. Donc moi, je me retrouve, j'arrive avec ma partition qui était grosse comme ça, puis c'était moi qui démarrais en plus, il y avait Nathalie à ma gauche, c'était beaucoup de pression. Et finalement, je commence, je chante, je tourne les pages, je me suis dit à un moment, il va m'arrêter, puis ça va pas aller. Et tout d'un coup, il fait « Stop !» Je courbe les chines, j'y dis « ça y est ». Et c'est bon, c'est parti, et là, il fait « Mon ange !» Oui ou non? Là, je vous dis pas. Vous imaginez quand vous pensez que vous allez vous prendre un coup et en fait, mon ange. Non, est-ce que vous pourriez regardez cette photo avec Morane et Michel Legrand. Un moment incroyable avec un big band. Morane, quelle voix. Oh, Morane. Magnifique. Quelle voix, Morane. Il aimait beaucoup Morane, Michel. Oui, il aimait beaucoup. Il adorait. Oui, mais dites-moi, quand vous avez débuté dans ce métier, vous alliez plutôt vers la danse que vers le chant, non? Vers la danse et le théâtre. Et moi, je voulais être comédienne, en fait. C'est ça que je fais aujourd'hui, en fait. Je joue au théâtre, maintenant. Avec, d'ailleurs, récemment, avec Macha Meryl, l'épouse de... Absolument. Et je suis revenue à mes premières amours, qui sont, en fait, la chanson et le théâtre. Et j'ai fait de l'opéra complètement par hasard. Parce qu'il se trouvait que j'avais une voix et que je voulais interpréter les personnages. Et donc, c'était le chemin le plus court pour moi, pour monter sur scène et jouer la comédie, en fait. Ça vous étonne, le parcours de Vincent et surtout non, avec Sarah Brightman? Non, ce que je voulais dire sur Vincent, c'est que, par exemple, moi, ce qui m'a épaté quand on s'est connus, c'est qu'il est arrivé pour la première répétition des Parapluies de Cherbourg. Il était parfaitement préparé. Et ça, c'est la marque des grands pros. C'est-à-dire, il travaille énormément. Et c'est génial parce qu'il arrive, il est complètement prêt, au niveau... Et là où on ne l'attend pas forcément, justement. Et ça, c'est très fort. Puisque vous êtes là aujourd'hui, à chaque fois que je vous vois, je pense à Jean-Pierre Coff. Oui, votre ami Jean-Pierre. Beaucoup avec Jean-Pierre. Oui. Je me souviens qu'il nous racontait souvent vos vacances ensemble. Je crois un jour, vous êtes parti au Mexique. Il est venu à Santa Fe, Nouveau-Mexique. Vous êtes le Nouveau-Mexique ensemble. Il est venu à Santa Fe pour me voir jouer Traviata. Oui. Et on a passé des moments merveilleux ensemble dans une immense maison qu'il avait louée avec une piscine. Et on a fait des bouffes, évidemment. Ah ben avec Jean-Pierre, c'était sur le minéral. Hein. Et puis des bonnes bouffes. Et puis des bonnes bouffes. Et je me souviens aussi d'une fois où il nous a fait un homard, juste comme ça, à la poêle, là. Oh, ça, toute ma vie, je m'en souviendrai. C'était avant, quand j'étais pas végétarienne. Faut pas oublier Jean-Pierre Coff. On a passé des moments magnifiques sur le canapé avec lui. Alors Vincent, vous soutenez beaucoup de causes, parce que je sais qu'on n'en parle pas souvent. Et il y a un institut qui vous est cher, c'est l'Institut Curie. Ah oui, oui. Tout ce qui touche au cancer vous touche de près, vous avez voulu les aider.
Alors en fait, ça s'est fait différemment. Je me suis engagé contre la lutte contre le cancer avant même que ça me touche de près. Alors, ça fait 5 ans que je suis parrain de l'association Une jonquille contre le cancer de l'Institut Curie. Mmh. Savoir que c'est le premier institut de lutte contre le cancer en France. Voilà. D'ailleurs, du 10 au 22 mars, il y aura justement la campagne nationale de solidarité. Oui, ils font un travail exceptionnel. Ils font avancer la recherche. Et d'ailleurs, il y a 3 ans, il y a eu une avancée incroyable sur l'immunothérapie du cancer. Ils ne pensaient jamais avancer aussi vite. Et il faut continuer. Ils ont besoin de dons, ils ont besoin d'argent. C'est le nerf de la guerre, c'est le nerf de la recherche. Et donc, pour la 16e édition qui aura lieu en 2020, ça sera lancé le 10 mars devant l'esplanade du Panthéon. Et on a besoin de tout le monde. Portez juste une petite jonquille, faites un petit don, SMS. On en parlera un moment. C'est important. On voudrait récolter jusqu'à 700 000 euros cette année. Et on a. Oui, ça avance très, très bien. Là. Alors, vous avez souhaité que le médecin du Vivement Dimanche, Marcel Ichoux, parle du cancer. Eh bien, il va le faire. Super. Marcel Ichoux. Cher docteur. Parce que Nougaro, c'est ma vie. On est d'accord. Fan de Nougaro, Marcel. Vous avez une couverture que je connais, là. Voilà. C'est le Figaro, ça. Hein. C'est une enquête du Figaro. Dépistage, prise en charge, nouvelle thérapie, les champs de guérison progressent de jour en jour. Voilà. C'est vrai. C'est le magazine Santé Figaro. C'est le docteur Pierre Cordé qui en a fait l'éditorial. L'idée, c'était d'apporter de l'espoir sur cette maladie qui a toujours terrorisé les gens. Et qui maintenant... C'est plus tabou maintenant, j'ai l'impression. Non, c'est plus tabou parce qu'on guérit quand même un cancer sur deux. C'est pas mal. Donc, et quand on ne le guérit pas, pour autant, l'espérance de vie est quand même très nettement augmentée, ce qui fait que ça n'est plus... paradoxalement, les maladies cardiaques, cardiovasculaires font moins peur, alors que... Elles sont plus meurtrières. Elles sont plus meurtrières. Oui. Alors j'ai lu l'enquête du Figaro et de France 5, qui sont penchés sur les avancées. Et c'est quand même très important ce qu'ils racontent. Hein. Il y a eu un bouleversement. On utilise souvent en médecine des métaphores militaires. On parle de stratégie thérapeutique. Donc c'est comme si vous aviez des troupes, des fantassins, des bombardiers. Là, vous avez la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. La radiothérapie, oui. Voilà. Ce sont des thérapeutiques qui endommagent les cellules saines en traitant les cellules cancéreuses. Et là, il y a eu une avancée énorme qui est faite par je crois que c'est James Allison, prix Nobel 2018 d'immunologie, et qui a découvert la manière dont on pouvait stimuler l'immunité propre de chacun pour combattre le cancer. Ça veut dire que le corps humain, le système immunitaire, peut lui-même vaincre le cancer. Alors, le paradoxe, c'est que normalement, quand vous avez un corps étranger, une cellule malade, etc., le système immunitaire l'élimine. Normalement, ça se fait comme ça. Pour le cancer, ça ne se passe pas comme ça et on ne comprenait pas pourquoi. Et ce chercheur a découvert, en fait, qu'il existe un frein à cette stimulation de l'immunité qui va vous débarrasser des cellules cancéreuses. Il a trouvé, et on utilise maintenant, on en avait parlé avec... Il a trouvé exactement je crois que c'est une protéine ou c'est ça, c'est une protéine qui va identifier la bonne cellule. C'est-à-dire qu'avant, on faisait le traitement, ça marchait super bien, ça régressait, et puis tout d'un coup, ça stagnait et ça revenait de plus belle. Oui. Aujourd'hui, enfin, il y a 3 ans, ils ont découvert cette protéine qui va faire que notre propre système immunitaire va identifier la cellule cancéreuse à éradiquer. Et c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire qu'on se sert de son propre, de sa propre immunité. Pour battre le cancer. Ça veut dire adieu chimiothérapie, radiothérapie. Alors, non, ça marche pour toutes les formes de cancer. Ça veut dire qu'on continue. La chirurgie, tout ça, on continue. Il y a cancer et cancer. Dans un même type de cancer, par exemple, quand on parle du cancer du sein, cancer de la prostate, il y a différents types. Du cancer du poumon, il y a différents types, il y a différentes cellules. Donc, en médecine, on n'est jamais dans tout ou rien. On va utiliser encore la chirurgie, on va encore utiliser la chimiothérapie. On a une arme. Révolutionnaire de plus, mais encore une fois, c'est une stratégie.
Et puis, il y a une dimension, moi j'y reviens un peu tout le temps parce que c'est mon cheval de bataille, mais c'est qu'on ne soigne pas une maladie, on soigne un individu. Et l'individu, il faut l'accompagner. Et si vous n'avez pas cette dimension humaine, même dans votre cheval de bataille qui est l'endométriose, si, parce que c'est difficile, quand on fait une annonce diagnostique, quelle qu'elle soit, de laisser le patient avec sa douleur, ses angoisses, ses fantasmes. Et quand vous expliquez, déjà, c'est plus pareil. Parce que c'est comme une sentence et une prophétie autoréalisatrice. Je ne pourrai plus, je vais souffrir. Alors que si vous démontez ces mécanismes, vous changez le pronostic. Et pour particulièrement le diagnostic de cancer, il doit être dit avec prudence, modération, en comprenant la psychologie. Certaines personnes peuvent accepter le diagnostic sans trop de soucis. Mmh. Et puis il y en a d'autres qui sont complètement effondrés. Et là, il faut les accompagner. Michel, je voudrais en profiter pour saluer vraiment en France tout le personnel médical, les aides-soignantes, qui font, les médecins, les chirurgiens, tout ça, parce que j'ai passé pas mal de temps, comme vous le savez, dans les hôpitaux, et ce sont des gens qui comptent pas leurs heures, qui sont dévoués, et j'aimerais qu'on les applaudisse vraiment parce qu'ils font un travail. Avec des horaires. Alors, passion commune avec Laetitia et nous, les animaux. Ah bah oui. Laetitia Milot, la défense des animaux, ça fait partie de votre vie, ça. Oui. Totalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, en tant qu'être humain, j'ai honte parce que je ne comprends pas comment on peut faire souffrir une bête. Voilà. Quelle que soit la condition de la bête. Voilà. Je ne comprends pas aujourd'hui comment on peut martyriser des animaux, les maltraiter. Enfin, je ne comprends pas. Donc on essaie avec Laetitia aussi, à notre petit niveau, de faire avancer les choses. Mais maltraitance, l'abandon. Oui. Alors là, Hélène Gâteau va nous parler vraiment d'un sujet effrayant. Effrayant. C'est les parcs aquatiques où on voit des dauphins qui deviennent fous, il n'y a pas d'autre mot. Ah oui, mais ils ont les océans et on les met dans des bassins. Donc, elle va nous raconter tout ça. Voici Hélène Gâteau. Alors là, on va parler de la captivité des cétacés, des orques et des dauphins. Oui, on aurait pu parler de nombreux sujets. C'est celui que j'ai choisi avec vous, Vincent, aujourd'hui, de parler de cette captivité. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde, on compte 3000 dauphins et orques qui sont maintenus en captivité pour, soi-disant, le plaisir des petits et grands. Mais alors, derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Alors déjà, les cétacés, il faut rappeler que ce sont des mammifères marins qui sont extrêmement intelligents, qui sont dotés d'une sensibilité, d'une conscience d'eux-mêmes. Ce sont des animaux qui vivent dans des groupes sociaux, dans des groupes familiaux extrêmement bien organisés, qui nagent 100 km par jour dans la nature, plongent à des centaines de mètres de profondeur. Et là, qu'ils se retrouvent dans une prison de béton. Exactement. On les enferme dans une prison. Voilà, c'est effroyable. Alors, on va voir des images qui ont été prises par l'association Cétacé. C'est un jeu de mots, hein, Cétacé. Oui. Comme la chanson de Claude Nougaro, d'ailleurs. Assez. Oui. Eh bien, voilà. Eh bien, comme ça, la boucle est bouclée avec nous tous aujourd'hui. Là, ils sont, soi-disant, dans un lagon. C'est le lagon des dauphins. Alors, je ne dirais pas où c'est. C'est dans un parc en France, un parc aquatique en France, où on voit des dauphins qui font des comportements qu'on appelle des comportements répétitifs, des stéréotypies. À partir du moment où les animaux s'ennuient, sont isolés, ils développent des anxiétés, des états de dépression. On les oblige à vivre parfois en groupe de 2, 3 ou 4 qui ne s'entendent pas forcément. Donc ils vont développer des comportements agressifs. Là, on a également un autre exemple de stéréotypie. Et ces animaux vivent dans une eau qui, pour être un minimum clair, pour éviter le développement des algues et des champignons, c'est une eau qui est chlorée. Donc ce sont des animaux qui, en permanence, vivent dans une eau chlorée. Donc vous imaginez les méfaits, les dégâts que ça peut causer sur les muqueuses, sur les yeux, dans les poumons. C'est effroyable. Donc tous ces animaux, en fait, qui dans la nature peuvent avoir une espérance de vie, par exemple pour les orques, de 80 ans, eh bien là, dans les parcs comme cela, ils ne vont pas à plus de 30 ans parce qu'ils meurent de dépression, également d'infection, de parasitisme. Et regardez, est-ce que ça, c'est un endroit... Ça, c'est effrayant parce que comment on dresse un orque? Écoutez bien.
Comment on dresse un orque? Eh bien, ça pèse 3000 kilos. 3500 kilos un orque. 3 tonnes et demie. C'est pas du tout avec la complicité avec son soigneur qu'il est dressé. C'est parce qu'on l'affame, tout simplement. Parce que comment contraindre un animal de 3500 kilos? Ouais. On ne lui donne pas à manger. Donc, à un moment, pauvre bête, pour pouvoir manger, eh bien, il va falloir qu'elle exécute ce qu'on lui demande, alors qu'elle n'a absolument pas envie de le faire, alors que ce n'est absolument pas naturel. Et voilà l'environnement dans lequel ces animaux vivent. Des ballons. C'est très naturel pour un orque de jouer, pour une orque de jouer avec des ballons, ça on peut se... Voilà, tout... C'est un ou une, d'ailleurs. C'est une orque, une. Voilà. Un c'est... ou une, un orque ou une orque, les deux existent en français. Très d'accord. Bien. Et ce qui est assez éloquent, c'est qu'aujourd'hui, il y a de nombreux anciens dresseurs, comme le dresseur de Flipper, le dauphin, Rick O'Hari, qui se dressent aujourd'hui contre, justement, ces delphinariums, car ils savent, eux, ce qu'il y a derrière. Donc on imagine hein, tout ce que ces animaux peuvent subir. Alors le problème, c'est que c'est pas aussi simple, parce qu'on pourrait dire, oui, pourquoi on les relâche pas dans le milieu naturel, c'est pas aussi simple. Beaucoup sont nés en captivité, d'ailleurs. Il faut les réhabiliter. En voilà. Fait, ils n'ont pas l'habitude des courants. Non. Alors déjà, il y a le droit maritime international qui refuse, qui interdit que l'on relâche des animaux qui ont été auparavant en captivité dans la nature. En revanche, ce qu'il se fait, c'est de plus en plus ce qu'on appelle des sanctuaires, donc des lieux, des bras de mer, qui vont être dédiés finalement pour ces animaux, pour les sortir de leur prison et leur permettre eh bien, de réapprendre à vivre avec les courants, avec les marées, de réapprendre à chasser. C'est pas encore la liberté, c'est ce qu'on va appeler la semi-liberté, mais sincèrement, je pense que c'est mieux que rien. Mmh. Et il y a un projet justement en 2020 en Grèce, au large d'une petite île grecque, d'un sanctuaire comme celui-ci. En Corée, ça a déjà été fait, et les dauphins qui ont été remis en semi-liberté se sont même reproduits. Sans insémination artificielle, parce que parfois on nous dit dans les parcs aquatiques, il y a des petits, c'est que tout se passe bien. Mais non, c'est de l'insémination artificielle pour qu'ils se reproduisent. Alors il y a des pays qui sont levés contre ça. Bien sûr. Il y a le Canada. Le Canada, on a le Chili, on a le Costa Rica également. Ça commence. L'Inde qui estime que les dauphins sont des êtres non humains dotés de sensibilité. Sauf qu'il y a 76 parcs aquatiques et 25 en construction en Chine. Voilà, en Chine et en Russie, la Russie qui autorise encore le prélèvement dans la nature de ces animaux-là. Vous savez, on voit parfois ces bains sanglants au large des îles Féroé qui sont abominables à voir. C'est une mer de sang, quoi. C'est une mer de sang. La viande de ces globicéphales ne se consomme plus, mais maintenant, c'est pour pouvoir alimenter les parcs aquatiques. Alors, on dit parfois, oui, mais ça permet aux enfants de venir voir les dauphins, mais non. Les enfants, ce qu'ils voient dans les parcs aquatiques, ce ne sont plus des dauphins. Enfants, il faut qu'ils regardent la télé. Ça ressemble à un dauphin, ça ressemble à une orque. Beaux documentaires. Mais voilà, regardons les beaux documentaires. Et moi, je préfère qu'on voit des animaux, regardez. Ça, c'est tout simplement dans la baie de Cancale. C'est pas loin d'ici. En Bretagne, voilà. C'est magique. Il y a des excursions comme celle-ci qui sont organisées. C'est des images de l'association à l'Arc pour nous montrer que voilà, eh bien, ces animaux, voilà ce à quoi ils ont droit. Donc bravo à l'association Cetacés, à l'association à l'Arc. Et surtout, soutenons-les, voilà, pour qu'il n'y ait plus de reproduction possible dans les parcs aquatiques. Voilà. Michel. Bravo Hélène. Oui. Encore une annonce. Voilà, c'est assez. Hein. L'association Cetacés. C'est assez. C'est bientôt Noël. Bientôt Noël. Pas doter les animaux. Voilà, bientôt le Noël des animaux. Organisé par la SPA, c'est le 7 et 8 décembre prochain, le week-end prochain. Place de la République. Voilà, alors, tiens à préciser, l'animal ne doit pas être un cadeau. En revanche, c'est ça. L'adopter, jouer, si vous voilà, mais l'adopter, c'est lui faire un cadeau à lui en lui offrant. Et c'est pas un jouet. Et un animal, c'est pas un jouet. C'est pas même si c'est salut à Noël. Voilà. Non, donc on n'adopte pas Noël pour abandonner. Cette chronique était pour vous deux. C'était super. Je voudrais aussi parler de la fondation Brigitte Bardot. Oui. Je suis très impliqué aussi. Mais il y a une photo de vous avec Brigitte là-bas. Oui, c'est vrai que c'est une femme extraordinaire. Elle a dédié sa vie. J'ai eu la chance de l'interviewer pour la BBC et tout. Et elle m'a reçu chez elle à Saint-Tropez. C'était un moment que j'oublierai jamais. Et j'ai compris à quel point cette femme, elle a tourné le dos à Hollywood. Il faut savoir qu'à 38 ans, tout le monde la voulait. Elle avait des millions de dollars pour des contrats. Elle a dit non, j'arrête. Et elle a dédié sa vie. Vous avez vu tous les jours à 1,5 million avec sa petite camionnette. Elle s'en va. Elle passe l'après-midi dans son parc. Mais surtout quand vous arrivez, il y a 25 chiens, chats. Moi, j'étais en train de faire l'interview. Il y avait un cheval qui me mangeait les cheveux. Bah, tout est en liberté, c'était génial. Elle nous regarde. Heureusement qu'il y a les associations. Vous la saluez, mais elle nous regarde presque tous les dimanches. Elle me laisse souvent des messages. Vous pouvez la saluer. Bah, Brigitte, on vous embrasse très, très fort. Merci. Moi aussi, je l'embrasse très, très fort aussi. Bon, on va rester là avec les amis. Chani. Chani est un personnage vraiment hors norme qui vit loin d'ici, en Indonésie, à Bornéo, qui protège les singes, les orang-outans, entre autres. Il a une association qui s'appelle Callaway. On l'aide beaucoup. Il achète des terrains
pour protéger les animaux et leur donner encore plus d'espace et éviter qu'on les tue. Les orang-outans, les grands. Alors justement, il va nous parler des orang-outans. Regardez, c'est impressionnant la patience qu'il a, mais elle est récompensée. De temps en temps, regardez la découverte qu'il fait après des heures et des heures, voire des journées d'attente. Voici Shani. Bonjour Michel, dans notre réserve à Bornéo, notre réserve d'Oulan, pour partir à la rencontre des orang-outans. C'est vraiment un endroit magnifique, je vais faire mon campement ici. Je sais que dans cette zone de la réserve, il y a un grand mâle. Ces mâles avec les disques faciaux qui peuvent faire plus de 130 kilos. Ma stratégie à partir de maintenant, Michel, c'est d'attendre qu'il pousse ses longues vocalises, ses grands qui lui sert en fait à rester en contact avec ses femelles qui évoluent de manière solitaire dans la forêt. Et puis ça lui sert aussi pour marquer sa dominance. Vous avez entendu ? C'est ce son-là que je cherchais depuis deux jours. Et là, je viens de le trouver. L'orang-outan se trouve à peu près de 50 mètres d'ici. Et là, cette vocalise-là, ça veut dire « Moi aussi, je t'ai vu et je suis stressé. » Il fait ce qui est typique des orang-outans. Il casse des branches pour me les lancer. Des grands mâles comme ça, avec les disques faciaux, dans toute la réserve, il n'y en a peut-être que 3 ou 4. La réserve fait plus de 1500 hectares, et il y en a si peu parce que ce sont vraiment des rois qui règnent comme ça sur leur territoire, et c'est eux qui ont les faveurs des femelles. Il y a d'autres mâles aussi dans la réserve, mais ils ne développent pas les disques faciaux parce qu'ils ne sont pas encore dominants. Je ne sais plus qui observe qui. Il est assis, il me regarde, et moi je suis dans la même position. Ce mâle, c'est une vraie star, c'est le roi de la jungle. C'est certainement l'animal le plus respecté de la réserve, il craint personne. Et justement, comme c'est une sorte de célébrité, Michel, une idée, pourquoi pas lui consacrer un dimanche après-midi? Si vous êtes d'accord, j'organise tout, je négocie avec lui et on invite tous ses amis sur le canapé. Ça marche? Merci, Shani. Je retiens l'idée. On va lui consacrer un... Je retiens l'idée. J'aimerais bien, le générique, hop, un orang-outan arrive. Et ils sont fascinants. Bah, ma chienne restera dans le bureau. Je suis allé en Indonésie, à Bornéo, les rencontrer. Il a une vie incroyable, ce garçon. Ah oui, c'est vrai, je l'en viens vous lui trouvez un peu, une petite mine, Franck. Oui, je le trouve fatigué. Vous le trouvez fatigué. Oui. Bah, essayez de dormir toute la nuit avec un orang-outan. Un orang-outan au-dessus de la tête, vous verrez, vous avez des cernes au petit matin. Merci beaucoup. Alors maintenant, bah, c'est l'heure d'accueillir Emmanuel Chenu qui va, à sa manière, refaire l'émission. Quand un orang-outan, hein. Emmanuel Chenu arrive. Il a une plume qui me fascine. Alors, il prépare très très bien l'émission. Il travaille beaucoup. Il va résumer de façon extraordinaire, à sa manière, votre vivement dimanche. Ok. Bon, moi j'ai fait un rêve. Ah. Vous retrouvez avec votre votre marraine Céline Dion à Las Vegas. Votre carrière est loin d'être un naufrage, on ne peut pas vraiment dire ça. Pour l'instant, pour l'instant. Non, mais je vous promets que vous allez... Y aura pour l'instant, et l'orchestre continue à jouer. Pour l'instant, ça va. Voilà. Et je trouve que ça vous irait bien tous les deux, d'être en figure de proue comme ça. Ah bah oui, non, mais Céline, c'est quelqu'un qui, évidemment, qui a compté énormément dans ma carrière, ma vie. Merci, je vais adorer ça. Et... En fait, j'avais eu la chance de chanter Ameno. Pour ma première télé devant Céline, et elle avait aimé, elle m'a offert
le gros cadeau de faire sa première partie. Première partie à Bercy, quand même. Et elle nous a invités avec Michel à aller faire des photos là-bas pour voir son show à Las Vegas. Enfin, c'était incroyable. Donc oui, Céline forever pour moi. Vincent, est-ce que vous savez que votre voix soigne? Mais vous pouvez me répondre? Oui. Alors, bah, écoutez, je crois que si Beethoven vous avait entendu, il aurait de nouveau entendu sans appareil auditif, n'est-ce pas, docteur? Ah, écoutez, ça c'est déjà pas mal. Oui, c'est bien. Alors ça y est, vous êtes tous les deux un duo mythique de la chanson française. Ça y est. Mais pas du tout. Alors Dalida est très jalouse. Hein. Oh. Bon, avec Alain Delon, parole. Alain Delon, mes enfants. Hein. C'est pour vous, si vous partirez avec, bien sûr. Mais vous devriez lui dire parole. Hein. Vous avez les hommes à moto. C'est super bien fait. Bon, enfin. C'est super beau. Les chœurs de l'armée rouge, je vous les ai reconstitués avec un ténor de la vie politique, Jean-Luc Mélenchon. Ah, ce dessin est formidable. En hologramme. Regardez qui les dirige. Bon, puis alors, par contre, vous avez vu derrière... Oui. Poutine n'aime pas le bruit, Poutine. Oui, Poutine, lui, son instrument préféré, c'est le silencieux. C'est long. Bon, j'avais envie de vous retrouver dans les parapluies de Cherbourg. Je vous ai trouvé d'ailleurs un accessoiriste hors pair qui connaît parfaitement les parapluies. Salmon, il n'a pas son casque. Voilà, il n'a pas son casque là, mais non. Mais enfin, en tout cas, c'est le spécialiste des parapluies, vous le savez. Voilà, François Hollande qu'on salue. Alors, super. Maintenant, je vais vous montrer, Vincent, regardez bien. Je vais vous montrer un hiéroglyphe qui symbolise la longévité, le talent, l'humilité, l'universalité. Et bien entendu, on retourne le dessin et qui apparaît? C'est la mythique Nana Mouskouri qu'on embrasse. Une grande dame. Formidable. Ouais. L'embrasse très très fort. Placido Domingo est un très grand ténor. Bon, même s'il travaille, actuellement il traverse une passe difficile. Non mais c'est pas ce que vous croyez, c'est contre la tauromachie. Hein. Prends garde à toi. Hein. Je suis bien contre la tauromachie aussi, vous inquiétez pas. Prends garde à toi. Nathalie, en vous entendant, Claude se met à genoux. Oh, c'est beau. Ouais, c'est beau. Voilà. Et la ville rose derrière, Toulouse. Sous ton balcon. Voilà. Il y a du monde au balcon. Vous avez Saint-Sernin et le Capitole derrière parce bien que sûr. Toulouse est indissociable de ce grand homme. Et pour conclure, eh bien, écoutez, regardez bien, j'ai détourné cette affiche. Avec vous, Laetitia, et vous, Vincent. Ah. Autant en emporte le vent, Red Butler, Scarlett O'Hara. Voilà. Scarlett O'Hara, Milo dans les bras de Red Butler. Voilà. Magnifique. Bon, la classe. Ouais, je suis admiratif parce que moi, vous me demandez dessine un mouton, je vous dessine rien de ah ça oui. ressemble ah bah, à rien. Tout ça, c'est pour vous. Hein. Je suis nul en dessin. En même temps, ça ne sert à rien de dessiner ça, c'est un pour mouton, vous. Ça, je vous le dis. Merci beaucoup. Bravo, merci. Merci. Écoutez, l'album de Vincent Niclot. Merci Franck, Laetitia. Merci. Moi j'attends la suite de Vivement Dimanche avec Laurent Ruquier qui sera là, avec Annie Dupéré, avec Olivier de Benoît, Mathieu Madénian, Grand Corps Malade, entre autres. Merci. Super, merci Michel. Merci à tous. Merci beaucoup.